Donc voilà, cartographie les effets génériques du Walking Simulator au-delà du genre. Donc vous allez assister aujourd'hui à ce qu'on veut faire pour la saison 2 de Profil ludique, c'est-à-dire penser le genre au-delà de lui-même dans ses effets génériques. Alors, qui dit effet générique dit Dominique Arsenault. Quand on a une question à propos des genres vidéoludiques, hein, on fait quoi? On retourne vers la thèse de Dominique. Alors, c'est notre plateforme théorique d'envoi, si on veut, que de retourner à cette idée et cette théorie de la pragmatique des effets génériques qui est fort utile pour penser notre objet et son prolongement, sa dissémination au-delà de lui-même. Donc, pour la petite histoire, pour la pragmatique des effets génériques, le genre s'exprime dans les effets génériques et est à mi-chemin entre phénomène social, c'est-à-dire le consensus culturel commun, hein, qui travaille autour des discours notamment, phénomène personnel, donc les éléments qui résonnent davantage pour différentes personnes. Donc ça, très important pour nous, puisque c'est la dimension des compétences génériques qui rentre en ligne de compte ici. Entre la réception, puisqu'on comprend un texte à travers les codes génériques, bien sûr, et la production, puisque l'objet contient des amorces qui visent à provoquer des effets particuliers. La question d'amorce va être au cœur de notre réflexion aujourd'hui, vous l'aurez bien compris, et ça sera au cœur aussi de la discussion. On aimerait aussi vous entendre à propos de potentiellement certaines amorces de Walking Sim que vous auriez pu activer dans votre expérience de Kona notamment et de Longueuil. J'ai hâte de voir si Francis, qui n'utilisait pas les moyens de locomotion, qui n'a pas profité du skidoo de Kona, j'en reviens pas encore, je suis instant maquillé, si tu aurais peut-être ressenti des effets de Walking Simulator. J'ai bien hâte de voir. Tout à l'heure, justement, on a eu un effet de survival horror qui est arrivé. Bernard expliquait un peu son expérience du face-à-face avec le Wendigo. Il dit « J'ai compris qu'il était invincible, donc je me suis sauvé. » Donc là, il est allé fouiller dans son puiser dans son système de référence de survival horror. Mm-hmm. Et puis ça a dirigé son action, c'est-à-dire de fuir. Alors que Francis, lui, probablement dans un répertoire de jeux d'action, a décidé de continuer à attaquer. C'est une hypothèse. Pas, donc peut-être. Toi, tu disais que tu avais attaqué en premier, voir si c'était possible J'attaquais de le vaincre. Ah, c'est ça. Donc, jeu d'action. Jeu de tir à la première personne. Donc, on voit bien comment que, bon, c'est des catégories individuelles, finalement, et que les marqueurs, exact. Ça veut pas dire qu'il y a des marqueurs dans un jeu qu'on va en ressentir l'effet. Donc, parlant de marqueurs, Maxime... On peut lire une autre citation de Dominique. On va dire Dominique et non Arsenault, vu qu'il est en notre présence en ce moment même, c'est un peu... Alors, je le cite. « Pour peu que le spectateur dispose des compétences génériques appropriées, le marqueur donne lieu à un effet dans l'expérience pragmatique de réception. Voir un film, lire un roman ou jouer à un jeu vidéo, c'est faire l'expérience d'un flux constant de marqueurs génériques qui, dépendamment des spectateurs individuels et de leurs compétences génériques, comme je disais tout à l'heure, comme j'exemplifiais, pourront produire des effets génériques qui préciseront leurs attentes et contribueront à les disposer favorablement à la suite de la séquence sémiotique. » Donc voilà, donc la question des marqueurs est au centre de notre réflexion. On pouvait donner l'exemple de Gone Home. Je trouve c'est un super exemple que Maxime a apporté, mais dans Gone Home, on a plusieurs amorces qui nous font tendre vers le jeu d'horreur. Hein. On parlait du tonnerre. La typique maison hantée avec on arrive là, il n'y a plus personne, la nuit orageuse, le bois craque, on entend des bruits de pas au deuxième et les lumières clignotent. Mm-hmm. Donc ça active nos compétences génériques du jeu d'horreur, puis donc ça nous fait pencher, ça axe nos attentes sur ce qu'on connaît du jeu d'horreur. Hein. Et beaucoup de gens vont avoir été déplus par le fait que le jeu d'horreur meurt dans Gone Home, puis que finalement, c'était un walking simulator. Comme si c'était une mauvaise surprise, mais tout ça pour dire que la question d'amorce vient extrêmement utile pour parler des expériences génériques, puis aussi des hybridités génériques, des effets d'hybridité générique qu'on peut ressentir dans un jeu. Alors, point de départ, Kona et The Long Dark, on n'est pas les seuls à avoir à ressentir peut-être des effets génériques de Walking Simulator dans ces deux jeux-là, puisqu'on voit ici que ça, c'est un outil que Maxime connaît mieux que moi, le Steam Spy. C'est l'application Steam Spy, steamspy.com. Je vous invite à aller voir ça, c'est super cool comme site, en fait. Qu'est-ce que ça fait, Steam Spy? C'est que ça va chercher des informations qui sont autrement pas affichées par Steam lui-même, donc pas affichées quand on va consulter le site. Et puis, il va nous les rendre visibles, notamment les tags. Donc, je ne sais pas si vous connaissez un peu les tags dans Steam. Les joueurs peuvent classer les jeux par tag. Les tags ont des votes. Et puis, des jeux avec des tags forts vont se ramasser ensemble. Et puis, dans ce cas-ci, on peut dénombrer. Steam Spy dénombre le nombre de votes, ce que Steam n'affiche pas sur le site web. Alors, on retrouve un paquet de genres hein, dans les deux cas. Donc là, je ne sais pas si... Donc, dans le cas de Kona, bon, on parle d'un jeu d'aventure avant tout, on l'identifie bien à ça. Mais en l'ordre décroissant, là, les genres les plus votés, ce serait
l'aventure. Ensuite, qu'on a, c'est ici. Aventure, survie, monde ouvert, horreur, Walking Simulator en cinquième, survival, horror et puzzle. Fait que ce qui nous intéresse plus ici, c'est de savoir que oui, effectivement, il y a sans doute des effets génériques de Walking Simulator à trouver dans ces jeux-là, puisqu'il y a déjà des gens qui ont décidé de l'étiqueter. On est un peu pris avec le fait que c'est une étiquette péjorative à la base, donc certains l'utilisent pour dénigrer des jeux, sûrement par un ressenti d'ennui ou de lenteur. Puis bon, c'est un peu ça qu'on va essayer de travailler. Donc, quels sont les effets qui sont à la source de l'émergence de ce tag-là? Et peut-être que finalement, l'ennui deviendra un effet générique du Walking Simulator et puis ça a un certain potentiel esthétique qu'il ne faudrait pas laisser de côté. Mais bref, la question des effets génériques nous permet de penser ce type de phénomène-là et d'apparence-là. Alors, pour continuer un petit peu dans la dimension théorique, un effet générique peut se penser selon quatre dimensions, si on veut, son étendue, c'est-à-dire la durée comme telle de l'effet. L'apparition d'un zombie avec une cutscene, par exemple, va durer le temps de la cutscene, donc ça peut me créer un effet d'horreur le temps de la cutscene. La fréquence, si on a plusieurs cutscenes dans le jeu qui reviennent pour nous montrer des effets gore, par exemple, vont solliciter des effets génériques d'horreur. Donc ici, on parle vraiment de quantité, on est en termes quantitatifs. La densité, on est plutôt du côté de la charge affective ou de la charge de l'effet esthétique. Et donc, ce que Dominique va dire en faisant une comparaison entre le zombie de Resident Evil qui est présenté avec une mise en scène, avec des cadrages, une cutscene, etc., n'a pas la même densité qu'un zombie qu'on va voir apparaître en vue isométrique dans un jeu comme Diablo, par exemple. Et donc, il n'y aura pas le même effet générique d'horreur qui va être sollicité, puisqu'ils vont avoir des densités différentes. Et la question de la résonance, c'est la portée de l'effet générique au-delà de lui-même, hein, au-delà de son étendue. Donc, un effet se produit, je vois le zombie dans Resident Evil, et à partir du moment que je l'ai vu, je l'ai peut-être affronté, bien, cet effet-là qui a une bonne densité va continuer à résonner dans mon expérience pragmatique. Et donc, je peux anticiper de prochains zombies, je vais penser... Même si j'en vois pas, même si je ne suis pas en présence de la mort générique, eh bien, j'ai toujours le zombie qui pourrait surgir en tête et puis ça me rend nerveux. Alors que dans Diablo, on ne sera pas nerveux de rencontrer d'autres zombies à ce moment-là. Exactement. Donc, voilà un peu voilà le cadre théorique sur lequel on se base pour réfléchir notre objet et nos effets génériques. Et évidemment, bon, Profil Ludique, on a travaillé beaucoup sur le genre du Walking Simulator. Maxime aussi avait fait une conférence là-dessus au symposium de 2017, annuel histoire du jeu. Et là, il y a un article qui va sortir de tout ça. Maxime avait repéré des catégories iconiques, là. Donc je peux te laisser un peu développer là-dessus puisque c'est ton article. Oui, mais enfin, on va aller rapidement là, pour ne pas s'attarder, mais c'était avoir repéré, à partir de Dearester, bien sûr, parce que ce serait l'œuvre innovatrice. Et puis, ça serait aussi le genre, comment dire, le jeu le plus minimaliste parmi les autres Walking Simulator. Je m'étais intéressé à savoir quelles formes sont répercutées dans les autres Walking Simulator. Alors, j'en avais identifié 7. On parle de la marche, la perspective à la personne, à première personne, avec une interface transparente, c'est quand même important. On n'a pas besoin d'interface, on n'a pas besoin de connaître les états du jeu dans les Walking Simulator. Le récit enchâssé tel que Henry Jenkins en parle, c'est-à-dire qu'il y a des fragments narratifs dans l'environnement et je dois aller les récupérer. Chaque fragment est un indice qui me permet de reconstruire une histoire qui appartient au passé, bien sûr. Des voix narratives immatérielles ou désincarnées, c'est-à-dire que je suis seul et les gens qui me parlent, ben, je peux rarement savoir d'où qu'il me parle. La pensée du narrateur de Dearester, ben là, tout d'un coup, on ne sait pas trop si c'est le personnage joueur, le point de vue hein, que l'on bouge, ou si c'est quelqu'un d'autre qui appartient à l'univers. C'est assez ambigu. Et puis, c'est pour ça qu'on va avoir souvent la présence de personnages fantomatiques dans ces jeux-là, finalement, qui sont juste des ombres ou des silhouettes. On a le personnage joueur solitaire, donc on est accompagné de personne d'autre. Un espace non contesté, ma marche est libre, il n'y a pas d'ennemis, j'ai rien à défendre, j'ai rien à attaquer. Et puis des possibilités d'action minimales et non violentes. Alors, je peux bouger mon point de vue dans tous les axes. Je peux des fois avoir quelques petites interactions contextuelles, ouvrir une porte et tout ça. Mais pas vraiment autre chose que ça la plupart du temps. Voilà. Génial. Donc, non-violente aussi, je trouvais que c'était important à préciser parce que finalement, c'est des expériences de jeu qui sont assez paisibles et non remplies d'adrénaline. Oui, tout à fait. Et ça repose beaucoup sur cette question de non-violence. Je seconde. Alors, ensuite, donc, la saison de Profil Ludique, on a exploré ces caractéristiques-là. On a essayé vraiment d'aller creuser pour voir si on ne pouvait pas trouver des figures esthétiques qui sont peut-être encore plus emblématiques que ça. Que celle qu'on vient juste de vous montrer. Donc, on en a recensé quelques-unes qui, selon nous, sont centrales
et qui finalement découle des effets esthétiques là, de Walking Simulator qu'on va ressentir dans ce corpus-là et qu'on va aller explorer aussi dans Kona et dans The Long Dark pour réfléchir après ça l'étendue, la densité, la fréquence, puis voir que finalement, c'est peut-être pas tant des Walking Simulator que ça et qu'il y aurait matière à nuancer tout ça. Alors, donc, l'idée d'une expérience lente et sensible des distances, à ce moment-là, il est évident que la marche est importante puisque ça va nous faire sentir les distances puis les échelles qu'on traverse, donc c'est très, très central, mais on essaie quand même d'utiliser cette formulation-là pour ouvrir à d'autres formes de locomotion qui pourraient quand même nous faire sentir les distances puis nous faire sentir une certaine lenteur. Alors, si je peux courir puis avoir de l'ennui, si le monde est élargi de manière correspondante, c'est-à-dire d'un coup plus large, il n'y a rien à... je croise aucun événement digne d'intérêt. Alors, tout d'un coup, on fait quand même l'expérience lente et sensible des distances. Et pour cette raison-là, on ne devrait pas s'il n'y a pas de marche, on ne devrait pas automatiquement exclure l'expérience de jeu de celle d'un Walking Simulator, par exemple. Tout à fait. Solitude, isolement, tranquillité, c'est des points ultra importants dans tout le corpus qu'on explore. Il y a cette question de la relaxation, d'une certaine sérénité, et c'est de là que va découler une certaine ennui qui, à mon sens, n'est pas péjoratif. C'est sûr qu'avec une certaine vision un peu plus classique du jeu vidéo, l'idée de s'ennuyer dans un jeu est peut-être sonnée paradoxale, mais un peu comme dans le cinéma moderne, on travaille le spectateur dans ses attentes et tout ça, donc c'est quand même un travail esthétique qui se crée autour de la question, par exemple, de l'ennui et qui va venir avec la tranquillité. Aussi, là, puis l'aspect plus paisible de ces expériences-là. On a aussi la contemplation qui est très importante. Donc, plus que ma marche est libre, plus que j'ai un monde qui s'offre à moi, bien, j'ai le temps de le regarder, puis j'ai pas, bien, on va le voir plus tard avec The Long Dark. Oui, effectivement. J'ai pas à m'empresser de rien, je peux prendre le temps de regarder tout ça, et puis c'est souvent des expériences qui sont remplies d'émerveillement, finalement, parce que je peux me s'éblouir par les paysages, par le récit, tout ça. Il y a un gros plaisir scopique dans ces genres-là. On ne dit pas que ça ne se produit pas dans d'autres jeux, mais là, ici, c'est vraiment, on a un accent qui est mis là-dessus, puis on nous donne l'espace aux joueurs pour qu'ils puissent se laisser aller au plaisir du regard. Ensuite, le dépouillement anecdotique de l'intime. Dans beaucoup de jeux d'aventure, on va dépouiller l'intime. Ici, moi, ce qui m'intéresse, c'est la question d'anecdotique, donc quelque chose d'un petit peu secondaire. Quelque chose d'un petit peu qui ne participe pas nécessairement d'un grand arc narratif avec un dénouement qui est à venir. On est dans quelque chose d'un petit peu plus banal, un petit peu plus ouvert, en surface, on découvre des anecdotes, donc c'est pas nécessairement le gros mystère qu'on va essayer de résoudre. Et ça, je trouve que c'est vraiment important parce que c'est de là que va sortir un certain travail au niveau du voyeurisme. Puis dans les Walking Simulator, on a beaucoup ce sentiment d'être voyeur puisqu'on navigue l'intime, mais sans nécessairement de but précis autre que de découvrir et de connaître et de contempler. Alors, contrairement à un Conan où je suis un détective, où là, j'ai un travail à faire, je veux résoudre un mystère, ça change complètement mon rapport à l'intimité. Alors ici, la question de l'anecdotique devient ultra importante comme caractéristique esthétique du genre. Et voilà, et par rapport à l'excavation passive des ruines du passé, et ça ici, on voulait englober aussi, finalement, j'ai parlé de récits enchâssés, mais je pense que dans les Walking Simulator, le rôle du joueur ne se limite pas à un rôle de détective. Et c'est aussi un archéologue, d'une certaine manière. Hein. Il va déterrer des choses, des informations sur le monde pour le plaisir de le faire. Mm-hmm. Alors, c'est peut-être pas pensé en termes de récit linéaire et hiérarchisé, mais vraiment en termes de monde. Mm-hmm. Et puis, justement, il y a quelque chose d'anecdotique. C'est-à-dire que, bon, j'ai pas besoin de déterrer tous les éléments narratifs pour être satisfait ou pour terminer le jeu. Mm-hmm. Donc encore là, j'aime bien l'idée que l'espace des Walking Sims serait à penser peut-être moins en termes de monde qu'en termes de site archéologique. Puis le simple plaisir autosuffisant d'aller chercher de l'information juste par curiosité, non pas en fonction d'un but ou d'un quelque chose d'utilitariste. Donc ça, il y a quelque chose qui est très unique là. Puis je pense que la figure du site archéologique ou de l'archive fait du sens. Et ça, c'est ces cinq figures-là qu'on va utiliser aujourd'hui dans nos analyses. Il y en a deux autres qu'on discute beaucoup dans la première saison de Profil ludique, mais je pense qu'on va on va passer parce qu'on est déjà à 15 minutes. Oui, c'est ça, c'est ça. Puis, c'était quand même important de les noter pour Twitter, en fait. Oui. On voit que ça va vraiment. Allez-y. Dominique et moi, on arrête. Oui, mais gars, on va en profiter. Hein. Écoute, allons-y. Le partage. Alors, je saute cette diapo, c'est finalement la présentation de Conan, mais ça a été tellement bien fait qu'ici, je ne saurais que me ridiculiser moi-même. Alors, sautons au clou du spectacle. Je laisse jouer ça en boucle pendant que je discute.
Ici, une scène très typique de Conan. Hein. Dans beaucoup de moments du jeu, on va simplement errer dans les espaces très contrastés. Mais c'est correct qu'on voit bien au moins. Et comme je disais tantôt, ben, on dépouille l'intime. Hein. C'est un peu ce qu'on va ressentir aussi dans un jeu d'aventure. Mais ici, comme je disais, on veut résoudre un mystère, on veut attraper un fautif, on veut participer d'une enquête, donc d'un arc narratif plus grand. Alors ici, la raison pour laquelle j'ai choisi cet extrait-là, c'est aussi pour vous montrer qu'on a un narrateur en voix-over qui intervient. Alors il nous donne son interprétation, en fait, il nous l'enfonce dans le fond de la gorge pour nous aider à résoudre notre enquête. Et ça, c'est totalement contradictoire avec le Walking Simulator, comme avec un effet générique de Walking Simulator, puisque l'important dans les Walking Sim, c'est de laisser le jeu de l'interprétation prendre place dans l'esprit, dans l'expérience du joueur, et non pas de lui dire quoi penser pour le guider dans son travail de détective, par exemple. Alors ici, d'avoir des écriteaux implémentés dans l'espace et d'avoir un narrateur qui constamment dit ce qu'on doit penser, des signes qu'on voit dans l'espace, mais ça vient court-circuiter le jeu interprétatif qui est au cœur du plaisir des Walking Simulator. Et qui, va devenir d'autant plus riche qu'on a souvent plusieurs possibilités d'interprétation, puis c'est le plaisir d'une ambiguïté par rapport à ce qu'on peut interpréter d'un signe, comme dans Gone Home, on ne sait pas trop là, qu'est-ce qui va s'en venir, c'est-tu un suicide, c'est-tu une fuite, c'est très très ambigu. Si on prend Everybody's Gone to the Rapture, on ne sait pas ce qui s'est passé, c'est-tu des aliens qui y sont venus, est-ce que c'est... L'œuvre de Dieu, c'est vrai, il y a quelque chose de très, très catholique là-dedans. En tout cas, donc on laisse planer l'ambiguïté. Alors qu'ici, on est toujours en train de catégoriser puis de trancher sur ce qu'on doit penser de ce qu'on voit, en fait. Ah, donc, l'interprétation libre est court-circuitée. Ici, on est dans le jeu d'aventure classique. Donc, on veut acquérir des objets, on veut les trouver, on les cherche, on les combine pour résoudre une énigme. Dans les Walking Simulators, c'est souvent purement contemplatif, plus purement du côté de l'observation. Il ne s'agit pas d'acquérir dans une pensée instrumentale des objets pour résoudre des puzzles. Alors ici, il y a quelque chose qui... C'est pour ça que je marque le dépouillement anecdotique de l'intime dans Kona. Mais c'est un effet générique qui se rapproche du Walking Simulator, mais il a une étendue qui est quand même faible, malgré sa fréquence moyenne, et une densité faible en termes de Walking Simulator, et une résonance très faible. Donc, ça nous amène pas nécessairement dans l'expérience pragmatique du Walking Sim comme tel, même s'il y a des parallèles très, très forts. Alors, voilà. Prochaine figure qui m'intéressait, la question de la navigation. Dans Kona, on a plusieurs méthodes pour naviguer, la voiture, le skidoo, et donc c'est la question de la promenade ici perd un peu de son sens, puisque moi, personnellement, dans mon usage des moyens de locomotion ici, c'était pour me rendre d'une maison à l'autre, parce que je cherchais, par exemple, un aimant pour résoudre un puzzle, puis aller chercher la clé. Aller chercher du caribou. Donc moi, j'ai pas fait de saut en skidoo. Mais bref, je me sentais pas dans un rapport de promenade. Je sentais pas que j'étais dans un rapport d'expérience sensible des distances. J'étais plutôt dans un rapport d'expérience instrumentalisée des distances pour arriver à mon point A, puis embarquer dans mon plaisir de puzzle, dans mon plaisir de jeu d'aventure. Et la question de la carte aussi qui montre que les déplacements sont instrumentalisés en fonction d'un endroit où on veut aller. Et ça, c'est un petit peu contraire aux Walking Sim qui vont plus tabler sur l'errance, sur le vagabondage, la flânerie. Et tout ça sert de belle façon la contemplation. Alors qu'ici, on perd un peu cet aspect-là. Tout d'un coup, c'est intéressant parce que Francis, tout à l'heure, il parlait que lui, il n'a pas utilisé Skidoo. Mais là, on voit qu'avec certaines pratiques, tu as certaines pratiques qui détournent en quelque peu, mais qui ne sont pas tant des pratiques de détournement, mais qui détournent un peu l'expérience du jeu. Là, tout d'un coup, on peut se rapprocher du Walking Simulator. Donc, Francis, lui, a marché Kona au complet. Peut-être qu'il a utilisé sa carte. S'il n'a pas utilisé sa carte, on dirait que là, tout d'un coup, on se rapproche encore plus du Walking Simulator parce que là, c'est non seulement une carte standard, là, rudimentaire, là, il y a vraiment un système de GPS intégré comme dans les jeux classiques. Alors là, il n'y a aucun rapport à la désorientation, au vagabondage. On sait toujours où on est. C'est vrai que la désorientation, c'est hyper important. Alors, tu sais, dans Kona, moi, ce que j'aime dire pour contraster avec l'expérience du Walking Sim, c'est que dans des jeux comme ça, on circule. Donc, j'aime ramener la question de la circularité dans la navigation, alors que dans les Walking Sim, on traverse, on s'en va, on fait des trajectoires. C'est un peu improvisé, on vagabonde comme ça, puis on arrive à un point final, puis après ça, souvent, l'expérience est terminée, c'est de courte durée. Donc, on est plus dans un rapport de traversée.
traçabilité, de trajectoire et même de nomadisme, comme on l'avait dit. On n'est pas dans quelque chose de l'ordre de plus la sédentarité où là, je sais où aller, où je dois aller poser mes points cardinaux puis me transformer l'espace en lieu, finalement. Je sais pas, je peux vous interrompre. Oui, oui, vas-y, vas-y. Il y a la carte et tout, là, je peux parler du fait que j'ai marché pas mal, là. Mais j'ai fait justement cette expérience-là qui est peut-être plus du côté de la lenteur et de la contemplation. Quand j'ai décidé de laisser mon auto à la maison des Bédards, puis de me promener entre la rivière, le lac, puis la maison qui est en bas, la maison des Rois. OK. Puis en accumulant les lettres qui sont laissées par les deux enfants dans les différents points. Je trouvais justement qu'il y a cette notion-là d'anecdotisme, où est-ce que je voyais pas trop le rapport d'avoir ces bouts de journaux-là ou de lettres entre ces deux personnages-là qui ne semblaient pas avoir une si grande incidence. Mais au final, il y a des indices là-dedans, je me trompe pas, par exemple, indices, c'est ça. Puis il y a une chasse au trésor, là, dans le fond. Oui, oui, oui. Mais les lettres, tu veux dire, ils étaient dispersés entre les deux maisons? Il y en avait dans les deux maisons, mais il y en avait aussi dans différents campements qui ne sont pas mis sur la carte. Oui, c'est vrai. Tu peux découvrir. Tu marches, c'était curieux, oui. Mais ça, mais ils sont pas. C'est pas comme si non plus tu pouvais trouver ces indices-là juste en marchant, parce que là, en skidoo, ça irait trop vite. C'est dans des habitations, donc là, tu peux te rendre en skidoo, tu les aurais trouvés quand même. Oui, okay. Tu sais, comme. Puis même, Bernard, bon, il regardait ce que lui avait enregistré, puis ce que moi j'avais enregistré, puis il y a certains trucs que moi j'ai expérimenté, que Bernard n'a pas expérimenté. Exact. Je me suis fait attaquer par des loups une couple de fois. Ça n'a pas été super plaisant, mais puis ça, c'est sûr que ça ne fait pas partie de l'expérience de Walking Sim. Non, c'est sûr. Mais c'est peut-être là où il y a des effets génériques de Walking Sim plus prégnants qui vont avoir des densités faibles, là, malgré tout. Mais quand même, moi, je suis d'accord avec toi que dans les explorations un peu périphériques, improvisées au plaisir de la contemplation, là, on a l'expérience des distances, on s'amuse plus à errer, puis là, on s'en rapproche plus. Je pense que c'est pour ça qu'on voit Walking Simulator apparaître aussi comme étiquette là, dans Steam. Je vais avancer parce que Maxime a une super présentation, puis là, Je vais te chicaner. Oui, c'est correct, c'est vrai. Puis moi, après, je vais me faire chicaner par Roxane. Je suis habitué de me faire chicaner, mais regarde, je peux gagner du temps. On a vu la séquence de Rosaire, alors je ne vous la remontrerai pas, mais ici, on est plus dans un rapport d'aventure, hein, de la question du personnage, la question du récit aussi qui prend plus de place. Je vais aller à ma deuxième slide, ça va être plus éclairant. Rosaire vient casser toute la solitude puis tout l'effet d'introspection que je peux avoir quand je suis dans mon rapport de promenade des Walking Simulator, parce que, puis dans les Walking Sim, on va en voir des silhouettes un peu fantomatiques interagir qui ne nous parleront pas nécessairement. Donc, on reste toujours témoin observateur, alors que là, quand Rosaire nous interpelle, bien, il nous donne des mandats ludiques. Donc, on doit lui préparer du caribou pour aller chercher le manteau qui va nous permettre après ça d'aller dans les endroits plus froids pour explorer plus loin et terminer le jeu. Alors ici, il y a tout le rapport, les interactions sociales qui viennent prendre la place et qui cassent l'effet générique de Walking Sim qu'on peut avoir ressenti en errant puis en se promenant un peu dans l'univers de Conan. Vous l'avez mentionné aussi, rencontrer des loups et interagir avec eux pour les tuer, pour les neutraliser, pour les éviter. Alors là, on vient complètement de casser ce que Maxime déterminait comme étant une caractéristique formelle importante du genre, c'est-à-dire l'espace non contesté. Ici, l'espace est contesté, on doit fuir et combattre, et par-dessus tout, on doit gérer des inventaires, gérer notre niveau de vie et se guérir là, justement avec des trousses de premiers soins. Donc là, on vient de casser l'effet de solitude, l'effet de tranquillité, l'effet de sérénité qui est central au genre. Alors, le critique qui disait que Conan s'inscrivait dans les Walking Simulators, c'est parce qu'il ne connaît pas bien son genre. Là, c'est quand même assez honteux. Voilà. Et le Wendigo, finalement, qui vient encore plus casser tout ça, puisque là, à la fin, on va rentrer dans une espèce de course-poursuite bidon sur des rails de chemin de fer en plus. Donc, ça vient tout casser le plaisir de la contemplation, le plaisir d'être dans un espace de pouvoir errer comme bon nous semble. Et donc, voilà. Figure 4, juste avant de passer à The Long Dark, ici, Bernard faisait référence notamment à Vanishing of Ethan Carter. Effectivement, il y a quelque chose de très, très Walking Sim là-dedans, de pouvoir voir des fantômes réénacter le passé. Il y a quelque chose de très, très Walking Sim là-dedans. Everybody's Gone to a Rapture fait ça. Vanishing of Ethan Carter, qui partage beaucoup d'affinités avec le genre du Walking Sim, fait ça aussi. Tacoma fait ça aussi avec son travail au niveau de la réalité augmentée. Donc, il y a quelque chose de très Walking Sim là-dedans, ça, je le consens. Sauf qu'on n'est pas dans un rapport de site archéologique, comme je le disais tantôt. C'est-à-dire qu'ici, on nous montre tous les indices
qu'on doit, tous les lieux dans la maison où il y a des indices, il y a des trucs à aller chercher dans l'espace. Alors, c'est vrai, ça sert beaucoup plus des effets génériques d'aventure que des effets génériques de Walking Sim qui nous enverraient dans les drames humains, dans quelque chose de l'ordre de la solitude. Et il y aurait probablement d'autres interprétations à faire autour de... Et d'avoir de l'empathie ou de la compassion pour les personnages. Oui, 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 effectivement. Alors ici, c'est ça. Donc, c'est pour ça que je soulignais qu'on était dans des effets génériques. Laissez-moi revenir ici. Là. Oui, il y a des étendues élevées, des fréquences moyennes. Ça revient souvent, ce type de séquence-là. Une certaine densité forte qui nous ramène au Walking Simulator, mais une résonance faible, puisque en fait, quand l'effet est terminé, bien, je vais être obligé d'instrumentaliser ce moment-là pour naviguer l'espace et trouver les éléments pour continuer le mystère, pour continuer à résoudre le mystère. Alors, Maxime, voilà. The Long Dark. Pour ce qui est de Long Dark, donc juste établir quelques petits trucs en partant, on parle d'un jeu de survie. Et puis ben là, je trouvais ça intéressant peut-être d'élaborer quelques caractéristiques qui sont typiques du jeu de survie. Là, je me base, il y a à peu près aucune recherche qui a été faite là-dessus. Alors, je me base sur un billet de bloc. Là, j'ai adapté un peu. Puis je trouvais ça assez satisfaisant. Donc, les trois caractéristiques du genre là, seraient les suivantes. Des jauges de vie qui signalent des besoins physiologiques à combler. Souvent, c'est un système de jauges de vie assez complexe, particulièrement dans The Long Dark. Donc, on a quatre jauges de vie. Se nourrir, boire, dormir soir, et se réchauffer. Donc, c'est les quatre besoins qu'on doit entretenir. Puis, lorsqu'un de ces besoins-là s'amenuise et puis atteint un certain seuil, tout d'un coup, ça fait descendre un autre jauge de vie, qui est la condition, qui avait la jauge de condition, qui est plus générale, et puis qui, elle, peut, même si tes quatre jauges, ils sont pas vides, mais celle-là, si elle se vide, bien, va entraîner la mort. Alors, dans ce cas de longueur, on a quelque chose d'assez complexe. On a aussi des écosystèmes, c'est-à-dire on a des proies, des prédateurs animaliers qui vont interagir entre eux, mais toi, tu fais partie aussi de cet écosystème-là en tant que survivant. Il va y avoir aussi de la végétation qui va être là pour ton service à toi et puis qui va repousser donc les bouts de bois qu'on trouve dans la longue d'heure qui vont réapparaître éventuellement. Et puis, il y a un système d'artisanat, de construction et d'inventaire. Dans le cas de The Long Dark, on n'a pas de système de construction, mais c'est typique du genre, là, comme les exemples que je connais un peu plus, ça serait Daisy, Don't Starve et Rust. Donc, souvent, un système de crafting qu'on appelle là, finalement, là, que je vais récolter des ressources. Avec ces ressources-là, je construis des outils ou des abris. Et puis, avec les outils, je peux aller chercher d'autres ressources. Et puis là, ça, c'est exponentiel comme ça. Alors, puis qu'est-ce que je trouve intéressant du jeu de survie, finalement? C'est à quelque part entre les Sims et Minecraft. Hein. Il y a quelque chose qui est entre les deux. Et puis, on voit que ça se retrouve beaucoup dans des jeux multijoueurs. Mais The Long Dark, pas innove, mais il y a quelque chose d'assez particulier puisque c'est un jeu plutôt single player. Donc, il l'est entièrement, je devrais dire. Alors, donc ici, on va commencer, c'est ça, avec les amorces génériques qu'on retrouve du Walking Simulator qu'on retrouve dans The Long Dark. Et on commence avec l'expérience lente et sensible des distances hein, par la marche. Donc, je dis que dans ce cas-ci, dans The Long Dark, on a une étendue moyenne parce que finalement, on est toujours en train de se déplacer. Oui, donc une fréquence élevée, c'est vrai. On ne peut pas habiter l'espace de The Long Dark. On est tout le temps en train d'aller ramasser des choses. Mais c'est une étendue, une densité, une résonance aussi. Je devrais dire moyen aussi dans ce cas ici parce que finalement, on trouve le temps long quand... comme dans ce cas-ci, là, mon personnage a froid, je cherche un abri absolument, j'ai pas de bois, il faut que je trouve du bois. Et là, tout d'un coup, à toutes les fois qu'on est dehors et qu'on marche, le temps est long, puis on essaie de trouver quelque chose et on le trouve pas. Et puis, c'est aussi, bon, dans le cas, à toutes les fois qu'on a besoin d'une ressource, on la trouve pas, évidemment. On a besoin de manger, bien là, il n'y a pas de lapin qui se promène alors qu'on en voit à tonnes dans notre jeu. Puis la nuit, c'est encore plus difficile parce qu'on n'y voit rien. Alors là, ça peut prendre un certain moment avant de trouver un abri. En cas de tempête, c'est encore pire parce qu'il faut se dépêcher, parce que notre jauge de température descend encore plus vite. Alors là, on voit qu'ici, c'est toute l'expérience du temps qu'on fait. Et, mais comme... Tu veux le faire jouer? Oui, on va le jouer. Let's go. Vas-y. J'aime ton observation sur le regard aussi. Alors voilà, ça c'est un petit extrait. On voit aussi que, oui, c'est ça, c'est un regard, mais là, je voulais y retourner plus tard.
Mais on voit aussi que c'est un regard qui est plus nerveux, hein, parce que là, d'un coup, il faut chercher les choses. On est toujours aussi un regard qui est aimanté vers le sol, parce que c'est là que se trouvent les ressources. Là, on avait un petit lièvre que j'ai perdu de vue, mais c'est là aussi qu'on trouve les bouts de bois. Alors là, puis là, dans cette séquence-là, je dois absolument trouver du bois pour me faire un feu, pour me réchauffer. Et puis ça presse parce que ma jauge de condition, vous voyez le signe de croix à gauche est en jaune. Donc là, ça, je suis prêt. Ben, la jauge est en plein milieu, ça veut dire. Là. Mais donc les choses doivent se faire assez rapidement. Alors c'est ça l'expérience de Long Dark. On regarde à terre et puis on marche et on essaie de retrouver les ressources comme ça. Et puis c'est aussi une expérience de marche qui très insécurisante parce que finalement, on a toujours l'inquiétude de tomber sur un loup, sur un ours ou d'autres prédateurs qui vont nous attaquer. Puis il y a un système, vraiment élaboré. Donc si on porte de la chair fraîche sur nous, bien, avec le vent, s'il y a des loups dans le coin, bien, ils peuvent commencer à nous pourchasser. Et puis les loups, ils ne réagissent pas toujours de la même manière. Si on leur... au feu, par exemple, le feu, des fois, ils ont peur, des fois, ils n'ont pas peur. Donc là, c'est encore difficile à gérer. Donc la marche, c'est vraiment pas... ça ne nous aide vraiment pas. Hein. C'est une marche en enfer, presque, je dis. Pour ce qui est de l'excavation passive des ruines du passé, donc qu'est-ce qu'on veut dire ici? Bien là, dans The Long Dark, c'est plus narratif, mais c'est le mode de jeu que j'ai joué. Alors là, ben quand on va... il y a une histoire, c'est avec Astrid et notre personnage joueur. L'avion s'écrase et puis Astrid est disparue. Nous, on doit la retrouver et puis ben, on va voir des traces d'elle. On va retrouver sa valise au début. Plus tard, on va retrouver, qui est cadenassée, on va retrouver plus tard un bout de tissu sur une branche. Alors comme ça, on va reconnaître ben, qu'elle est passée par là et puis qu'elle est encore probablement vivante. Et toute l'histoire va se dérouler autour de ça. Mais c'est pas strictement narratif, cette excavation-là. C'est aussi qu'on va voir des traces d'humanité, on va voir des boîtes de lunettes, des outils et tout ça, des tissus. Et puis c'est comme ça qu'on va venir voir qu'il y avait des gens qui habitaient cette place-là il n'y a pas si longtemps. Reste que, même si on a une certaine contemplation du passé, parce qu'on peut se dire « Ah, bien, qu'est-ce qui est arrivé à ces gens-là? Où est-ce qu'ils sont partis? » Mais on est toujours en train, finalement, d'avoir une pensée stratégique. On pense toujours à l'avenir, à notre survie. Et puis, on est toujours... Puis, je pense que même les joueurs qui seront peut-être plus à l'aise dans The Long Dark, ils sont moins dans l'urgence, hein, parce qu'ils peuvent mieux gérer la situation. Mais je pense juste que, dans leur cas, s'ils peuvent mieux optimiser leurs actions, bien, ils font juste pour pouvoir encore plus optimiser encore davantage. Alors là, on voit bien qu'on a toujours une pensée qui est tournée vers l'avenir. Et puis ces traces aussi de ces fragments narratifs-là, on devrait parler d'une fréquence qui est, là j'ai écrit modérée simplement parce que c'est variable réellement, parce que tu peux passer, les séquences de cinématiques se déroulent quand tu atteins certains lieux, mais vraiment, si tu te perds un peu dans l'environnement, tu peux revenir 3 heures plus tard puis avoir rencontré aucune trace de risque. Et pour ce qui est de la contemplation, bien, je l'ai déjà un peu suggéré, de longue durée, on n'a pas le temps de niaiser. Alors, c'est pour ça que les principaux qualificatifs d'effet sont faibles. Il y a quand même une résonance modérée parce que une des premières images qu'on voit dans le jeu, c'est cette magnifique étendue, un beau paysage, vraiment, c'est un jeu très beau, en fait. Et puis, voilà, on peut... Moi, je me suis arrêté un moment, puis j'ai regardé, puis j'ai pris plaisir, mais... Évidemment, j'ai deux jauges vides, ma condition est à zéro presque. Alors, encore une fois, il faut que j'organise ma survie. Et puis la contemplation, ben c'est pas un geste très habituel là, dans ce jeu. C'est pas une bonne stratégie, en fait. Voilà. Puis non seulement ça, mais chaque minute, on perd des calories. Donc on peut, puis même quand on va dans l'inventaire, dans les menus, bien, le temps continue à s'écouler. Alors on ne peut pas comme prendre une pause. Ça n'existe pas, j'ai l'impression, dans ce jeu-là. Mais c'est mon expérience de joueur qui est vraiment qui a rushé, là, tu sais, que j'ai connu bien en masse l'échec. Puis je suis obligé en ce moment, j'ai atteint un stade où je suis obligé de recommencer au tout début parce que bon, c'est un jeu émergent finalement. Si tu joues mal le début de ton jeu, bien, ça te bloque pour le reste. Mais tout ça pour dire que finalement, bon, puis en plus, quand je m'immobilise dans ce jeu-là, c'est pour faire quoi? Bien, c'est pour m'arrêter autour du feu, me réchauffer, et puis là, tomber dans le système d'artisanat. L'expérience du jeu, vraiment, ça n'a pas rapport avec la tranquillité, la solitude, c'est de l'urgence, de l'anxiété, du désespoir. Il faut que je survive.
Alors, je parlais des menus tout à l'heure. Ben ça, quand je m'arrête, c'est pour dans le quick menu. Mm-hmm. Puis là, manger, nourrir, allumer un feu, tout ça. Alors, et puis pour contraster avec The Long Dark, là, on comprend bien, c'est un jeu de survie avec des faibles éléments de Walking Simulator, mais j'ai trouvé un jeu que c'est vraiment l'inverse. On a vraiment un Walking Simulator avec des éléments de survie, et puis c'est vraiment l'inverse, finalement, le côté opposé de The Long Dark. Je parle du jeu Eidolon, qui était commenté comme Suisse Luke Plunkett. Dans Kotaku, il nous dit « Survival games are normally bleak affairs, tense, unforgiving simulations of desperation and death. So why is it that playing Eidolon, a survival game, feels so peaceful? » Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ce jeu-là? On commence, premièrement, on arrive dans le menu du jeu, on n'est plus sur play, on commence une media res, on est tout seul dans une forêt, et puis c'est tout. On n'a pas d'informations, on n'a pas de directives, il y a juste une forêt qui est vraiment vaste. On n'a pas de locomotion, sauf la marche. Et là, on peut courir également, mais si on est fatigué, on ne peut plus courir. Et puis, ça, c'est une large forêt, là, un monde ouvert, vraiment. Je vais à la première personne, je vais montrer un extrait tout à l'heure. Et puis, qu'est-ce qu'il faut faire finalement? C'est principalement récolter des documents qui sont signalés par des points lumineux dans l'espace, donc on peut repérer au loin. Mais ces documents-là, ils sont vraiment dispersés dans un univers gigantesque. Il y en a une 150, mais vous voyez, moi, en 3-4 heures de jeu, j'en ai récolté 20. Alors, et puis, c'est à peu près tout. Si je peux vraiment résumer le jeu, là, ça serait ça. Il y a tout un récit qui n'est pas très clair avec chaque document. Donc, c'est des personnages, t'as une dizaine de personnages qui discutent. C'est des documents qui datent des fois de l'an 0, des fois de l'an 2400. Et puis, ça retrace toute l'histoire de l'humanité dans cette zone-là. Et puis, d'un phénomène qui était celui de l'immortalité, c'est-à-dire que bon, les gens là-bas ont trouvé des minerais qui permettent d'être immortels. Mais bon, finalement, ça a créé des conflits et puis ça a créé la mortalité. Je ne sais pas si on peut sauter celle-là pour aller direct aux exemples de jeux, parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps. Effectivement. Donc là, c'est juste pour dire que finalement, c'est un jeu extrêmement facile. Il y a de la nourriture en masse. Il y a des jauges aussi, comme dans The Long Dark, mais ils sont très faciles à remplir. Puis tu n'as pas besoin de manger ou boire aussi souvent. Tu peux le faire comme à tous les jours dans le jeu. Et puis, il n'y a pas de système d'artisanat, seulement d'inventaire. Alors voilà, c'est très peu... Vous allez voir les images, c'est assez... Très peu un jeu de survie, comment dire... Classique. Ouais, c'est très loin d'être ça quand même. Juste la musique aussi... contribue. C'est vrai que ça, c'est un bon contraste. Endormez-vous pas? Ça me fait penser un peu à No Man's Sky. Dans No Man's Sky, il faut peut-être des plutoniums et tout ça pour nourrir tes systèmes, mais t'en récoltes un, t'es correct. Ouais. Mais No Man's Sky, t'es... Il y a beaucoup de récolte de ressources, par contre. C'est comme une heure à récolter, l'autre heure à explorer. Alors qu'ici, c'est comme là, ici, c'est des baies là, qui sont sur ces espèces de demi-sphères-là. Et puis, il y en a partout. T'sais, il y en a vraiment partout. Tu manques jamais de nourriture. C'est un petit coin de paradis, on pourrait dire ça comme ça. Et puis, voilà, on voit la vitesse de la marche qui est extrêmement lente. Et puis, on voit aussi que ben, le point de vue, finalement, c'est beaucoup. Juste un point de vue vraiment moins nerveux parce qu'il n'y a pas d'urgence. Et puis, je suis toujours en train de regarder autour de moi. Là, j'ai fait une coupe parce que j'ai consulté des documents pendant un certain moment. Mais finalement, étant donné aussi que le cycle jour-nuit est vraiment rapide et que les ciels sont comme vaporeux, très colorés, on est toujours en train de regarder autour de soi. Et puis, voilà. Puis, étant donné qu'on n'a pas à survivre, bien, qu'est-ce qu'on fait? Bien, on regarde. L'aspect de survie est uniquement le fait qu'on doit ramasser, genre, de la nourriture. C'est ça. Elle est extrêmement accessoire. Et puis, qu'est-ce qui arrive aussi, c'est que finalement, quand tu meurs, tu recommences comme 15 mètres plus loin, puis c'est vraiment pas punitif, puis tu peux t'en sortir finalement assez rapidement. Tu peux seulement mourir de faim ou... Tu peux mourir de froid si tu t'en vas dans un lac, puis tu y restes trop longtemps. Mais encore là, dès que tu sors du lac ou de la rivière ou de la mer, je ne sais pas trop, eh bien là, ta jauge disparaît, puis ta jauge de mortalité, là, et puis t'es correct. Alors, c'est très facile. Alors ça, c'est quoi? C'est à propos de l'expérience lente. Alors, on a vu, c'est ça. On a vu comment, finalement, on prend le temps de marcher, puis on peut prendre le temps aussi de regarder autour de soi durant ce temps-là. Je voulais raconter une anecdote. J'ai rencontré
une autoroute, parce qu'il y a des traces de civilisation, mais qui arrivent vraiment de manière sporadique. Là, ce qu'on voit sur le côté ici, on peut pas la mettre, ton autoroute? Ce qu'on voit sur le côté ici, c'est des immeubles, des structures d'immeubles. Mais tu sais, c'est un peu abstrait, on ne sait pas trop. Ouais, on peut le mettre, l'autoroute. Alors, après 2 ou 3 heures de marche, je tombe sur ça ici. C'est une autoroute, une ancienne autoroute. On voit des voitures. On voit qu'il y a même de la nourriture sur les autoroutes dans le jeu-là. C'est comme, il y en a partout. Et puis, je décide de la suivre. Et puis, après 13 minutes de marche, je me suis rendu... J'ai traversé un pont, mais je suis rendu sur un pont. Et puis là, je rencontre cette ville-là. Et là, tout d'un coup, c'est comme quelque chose, un mystère. Hein? C'est comme quelque chose que me cachait le jeu depuis tout ce temps-là. Il y a une ville dans le jeu et puis c'est extrêmement long la récupérer. Qu'est-ce que j'ai fait? Je pense que la marche a pris 3 jours sur l'autoroute en termes de jeu, là, on se rend. Il y a un document en plein milieu et puis c'est tout. Il y a un autre document sur l'autre voie, mais cette autre voie-là est inaccessible. Comme je ne peux pas couper, il faudrait que je sorte de l'autoroute et que je revienne et je refasse le chemin inverse. Donc, on parle d'un autre 13 minutes de marche. Alors, c'est vraiment l'expérience du temps des distances. Puis, bon, par rapport au deuxième marqueur générique, là, ici, l'excavation passive des ruines du passé, bien, c'est en traversant la forêt, durant des heures, on va rencontrer des traces, c'est ça, de ruines, de civilisations, on va voir aussi des ossements. Et puis là, on va se demander, ah, qu'est-ce qui s'est passé ici? Mais là, avec les documents, c'est pas trop clair. Lentement, Moi, j'ai été obligé d'aller lire sur Wikipédia parce que je comprends. C'était trop ambigu, en fait. On retrouve le jeu de l'interprétation ambigu là, qui est au cœur des Walking Sims puis qu'on avait complètement perdu dans Kona, finalement. Ouais. Et puisque, et là, je parlais de contemplation du passé, ici, vu que j'ai pas à survivre, à stratégiser ma survie, bien là, je peux réfléchir à la narration puis émettre des hypothèses puis commencer à interpréter. Mais quand même, la rencontre de cette autoroute-là après 3 heures de jeu, c'est quand même marquant. C'est quand même quelque chose d'assez fascinant. Et puis la contemplation, bien, j'en ai parlé un peu, puis ça, j'ai mis des qualificatifs qui sont tous forts ou élevés. C'est-à-dire que finalement, on joue aussi parce que, je ne suis pas comme dans... Si on voyait ma trajectoire dans The Long Dark, bien là, c'est des bouts de bois, après, c'est un lapin, et puis là, je suis cette trajectoire-là comme ça. Alors que dans Idleland, bien là, je peux tomber sur un espèce de petit marécage, là, comme ici, vous voyez, il y a des arbres qu'on ne voit pas ailleurs, il y a aussi une lumière qu'on ne retrouve pas ailleurs, des espèces de boules flottantes qui vacillent dans les airs. Et puis, bien, cette zone-là, c'est quoi? C'est un petit 50 km carrés, mais sur un terrain de 25 mètres carrés, pardon, sur un terrain de 25-50 km carrés. Alors là, tout d'un coup, c'est vraiment un rapport des échelles, tu sais, de trouver juste des éléments insolites, pas nécessairement qui sont instrumentaux à mon jeu, mais juste des éléments insolites. Mmh. Et puis finalement, j'ai remarqué aussi que mon jeu, bien, ça venait juste le plaisir de prendre des screenshots puis m'amuser. Puis là, je pouvais même risquer d'aller dans le lac parce que c'est tellement pas punitif. Je peux aller dans le lac, geler le froid, prendre un beau screenshot comme une belle photo, puis m'en aller, puis je sais que ça m'ajoute. La récompense est purement scopique au final. Oui, c'est ça. C'est purement contemplatif. Puis là, on voit les nuits sont étoilées. Puis là, ici, au bas, c'est jaune, et puis ça va vraiment... C'est toujours un peu vaporeux, et puis la couleur va vraiment bouger dans le ciel. C'est vraiment... vous avez pu vraiment voir tantôt, mais c'est vraiment une expérience intéressante au niveau des ciels. Puis c'est quand même intéressant que la patience devient une compétence de jouabilité. Mm-hmm. Même l'attente, l'inaction est une compétence de jouabilité. Donc, ça fait drôle à dire, mais ça ramène à Proteus où tu vas accéder à des phénomènes naturels d'une beauté incroyable, mais il faut que tu restes fixe dans l'espace puis que tu attendes un certain temps à rien faire. Ouais, donc là, on a vraiment quelque chose qui est à contrario de ce qu'on voit dans les jeux AAA. Voilà, puis c'est ça. Puis là, on a toujours le regard fixé dans les airs comme ça plutôt que de rechercher des choses sur le sol. On le regarde dans les airs parce qu'on regarde les ciels que le jeu nous présente. Alors voilà. Donc, s'il reste du temps pour la discussion, je sais qu'on a un peu ambitionné. On a débordé un petit peu. Mais l'idée, c'était de vous questionner sur vos potentiels effets de Walking Sim que vous auriez pu vivre dans certains genres ou dans d'autres jeux. Le rapport à la promenade, est-ce que la contemplation est nécessaire? Bref, nous partager peut-être vos effets de Walking Simulator dans certains jeux. On sait que dans l'horreur, il y a beaucoup de partage justement entre le Walking Sim puis les effets gore et tout ça. Donc, c'est un peu le but là, de discuter sur quel autre genre, quel autre objet là, qui pourrait nous... Je peux vous applaudir. Ah! Merci. Merci. Ce ne sera pas bien bon pour l'audio, mais... Alors, c'est bon, correct. C'est correct. C'est drôle, j'ai l'impression que vous présentez sur des trucs conjoints, mais puis sur l'hybridité, mais j'ai l'impression qu'il y a en fait, le survival puis le walking sim sont un peu mutuellement exclusifs dans ce que vous avez présenté. Donc, je trouve ça quand même intéressant. Bien, parce que c'est ça, on se disait que finalement, le survival horror, on revient à toi, Carl, dans un instant.
le survival horror, finalement, on est dans les stratégies d'évitement. Donc, oui, on marche, mais on marche pour s'enfuir, puis ça crée juste davantage de tension. Alors que là, la marche ici est supposée libérer, c'est supposé... On parlait de promenade hein, tout à l'heure. T'sais, c'est quoi, ça serait quoi le walking simulator dans la vraie vie? Ça serait faire une promenade sur le Mont-Royal. Il n'y a pas nécessairement de but. On va se promener pour contempler, pour errer. Ouais. On se fait des trajectoires improvisées au lieu d'aller travailler puis de prendre l'autobus, là, puis on monte à telle place. Puis on est. Alors que le survival horror, dans la vraie vie, ça serait une femme qui se promène la nuit à Montréal, au centre-ville, qui marche toute seule. Puis c'est ça. Puis là, c'est pas la même expérience de la marche. Parce que là, tout d'un coup, là, c'est l'anxiété, c'est l'angoisse que quelqu'un peut nous interpeller, peut nous faire du mal, tout ça. Alors, oui, Carl, vas-y. J'ai une question. C'est un problème que je perçois, puis c'est peut-être pas un problème. Je suis curieux de vous entendre là-dessus, en fait. Mais qu'est-ce que vous faites avec des marqueurs génériques qui, en fait, émergent dans d'autres genres, qui sont des genres vidéoludiques plus, comment dire, aboutis au niveau des défis ludiques de résolution ou de stratégie? Je vous donne juste un exemple, mais à partir de plusieurs de vos figures, on pourrait, en fait... argumenter que la figure émerge dans un autre genre. Et donc, est-ce que ça devient un marqueur générique d'un autre genre que le civil marcheur? Donc, l'exemple que je vais prendre, donc on va le faire avec plusieurs, c'est la figure des fantômes du passé qui s'active devant vos yeux et que tu fais juste contempler pour comprendre un peu les dynamiques des personnages. Donc, vous avez présenté des extraits dans... Ça émerge avant, je suis pas bien sûr, mais de mon souvenir, 99, System Shock 2, puis c'est répété dans les premiers BioShock aussi. On a systématiquement cette stratégie de mise en scène-là, de il y a un moment où pour partager l'horreur ou l'effroi ou d'autres émotions des personnages, tu vas voir des fantômes s'activer. En fait, même au niveau visuel, ça ressemble à peu près à ce que vous avez présenté. Donc c'est un marqueur générique, je pourrais argumenter selon la théorie, donc c'est devenu un marqueur générique des jeux action horreur circa 99. Donc est-ce on parle de fantômes on parle de personnages qui vont c'est leurs fantômes qui vont reproduire leur passé dans le fond, et quelque ça chose qu'ils ont vécu. Plusieurs des moments tout au long du jeu de mon souvenir. Mais c'est vrai, ça revient. Moi, je l'ai vécu aussi dans The Witcher justement cette séquence là, puis même c'est vrai que c'est un trope très élargi, mais à ce moment-là, on pourrait dire que c'est un marqueur générique qui est d'une densité qui est faible, vu que c'est tellement généralisé dans la culture du jeu, ou même dans la culture populaire, ou bon, n'importe quoi, qu'on dirait finalement c'est un marqueur générique qui n'est pas vraiment fort en tant que tel. Mais donc, ma question en tant qu'historien, c'est est-ce que vous avez la responsabilité, si vous voulez bien rendre compte du civil marcheur, de dire, OK, cette figure-là émerge, c'est un marqueur de tel autre genre, et... on a augmenté sa densité dans le civil marcheur. Donc, c'est le marqueur générique du civil marcheur, c'est pas qu'ils ont inventé une figure de mise en jeu, c'est augmenté la densité d'un marqueur d'un autre genre. Oui, puis c'est aussi ça va être aussi dans sa relation à tout le contexte narratif aussi. Qu'est-ce qu'on nous présente par ces fantômes-là? Est-ce que c'est des réponses à un puzzle? Est-ce que c'est quelque chose d'horrifique qui là, nous amènerait du côté de l'horreur? Ou c'est quelque chose de l'ordre du drame psychologique, humain, personnel, introspectif, qui nous amène à interpréter des jeux d'ambiguïté? Là, je pense qu'il faut le penser aussi dans ses interactions avec d'autres formes. Puis un des problèmes qu'on retrouve souvent, c'est la question du minimalisme vidéoludique. On a un genre ici qui est très minimaliste. Alors, c'est très facile de le voir se dissiper dans d'autres genres à la seconde où il va revêtir un caractère d'horreur. Mais là, c'est ça serait plutôt que plusieurs de ces figures-là émergent historiquement dans d'autres genres et que donc le civil marcheur, ça serait peut-être finalement l'intégration, une dissolution des modèles d'agentivité ludique qui ont émergé dans d'autres choses. Oui, tout à fait. Mais le walking simulator n'a rien inventé. Ça n'a rien inventé. Je suis certain. Mais lui, c'est des emprunts et tout d'un coup, ces emprunts-là, ils viennent converger ensemble. Puis ils forment un tout qui n'est pas nécessairement un tout cohérent et exclusif. Là. C'est l'agrégat de tout ça. Mais Dominique... Il n'y a personne qui n'a rien inventé. Pouvez-vous retourner à votre diapo avec les tags de Steam? Oui. Tout début. En même temps, Dominique, tu pourrais certainement seconder cette observation-là, mais tu sais, les genres aussi évoluent, se transforment, se composent en fonction tout le temps d'un réagencement des marqueurs qui peuvent être agencés de nouvelles manières. Donc, il y a toujours un recyclage des marqueurs, puis à un certain point, le walking sim arrive avec une certaine recomposition de trucs qui existent déjà. Donc, terminer rapidement, est-ce que c'est problématique de dire que c'est des marqueurs génériques du civil marcheur à ce moment-là? Bien, la façon dont ils se combinent ensemble, je pense qu'on peut déceler quand même un cadre. C'est dans la combinaison. Mm-hmm. Je pense que oui, puis dans l'épuration de l'action, moi, je suis d'accord avec ça. Bon, on peut juste les séparer pour mieux les analyser, mais on ne devrait pas leur donner la genèse, là, évidemment. Là.
Parce que ça, parce que c'est... Andréane, tu as levé la main avant moi, je pense. Oui, ben en fait, c'était pour donner un autre exemple de ces... Vous parlez des effets de contemplation, de moments de beauté visuelle, où est-ce qu'il fallait justement attendre, rester. L'effet, un exemple qui vient en tête qui est plus sonore, c'est Alan Wake. Parce que pour entendre la musique qu'il y a sur les radios, il faut que tu t'arrêtes, tu l'allumes, tu écoutes tout le long que le monsieur parle, tu écoutes la chanson jusqu'à la fin, jusqu'à temps que tu ailles le coup blanc et que ça ferme. Et là, il faut vraiment rester sur place et être très inactif. Donc, penchant plus. Dans un jeu de survival, de survival horror, en fait, où tu fais juste comme. T'es dans le bois, puis. Que tu fais, c'est... Mais tu peux totalement passer à côté. Je pense qu'il y a plein de joueurs qui en avaient vu ça, là. Mm-hmm. Ont entendu. Okay. Mais effectivement, mais c'est un peu ça qu'on veut faire la deuxième saison, finalement, c'est de retourner aussi dans d'autres genres, puis pas juste voir partir du Walking Simulator, puis mm-hmm. aller dans les autres genres, mais faire aussi le chemin inverse. Il est toujours en train de se combiner, là. C'est mm-hmm. ça qui est un peu maudit, c'est un genre qui fuit son propre genre, puis qui est la seconde qu'on a un minimaliste qui est agrémenté d'un puzzle, ouf, là, on commence à tomber dans l'aventure, donc le tag qui arrive en premier dans le Conan, donc c'est pas surprenant. Parce que là, on tombe à la fois dans le quantitatif et dans le qualitatif. Oui, oui. Je pense que les tags, les marqueurs génériques de Dominique, on est dans un contexte de théorie, de réflexion sur certaines choses. Les tags, qui font les tags? On parlait donc, on allait être ramené sur la question des 6000 marcheurs qui maintenant, là, c'est le hit, profil ludique, mais... C'est les tags. D'où viennent ces tags? C'est drôle parce que votre conférence était plus tripante vers le dernier jeu qui répondait aux affaires, alors que Kona, à part la critique, puis nous, on vous a sorti la critique où il faisait référence, et dans le bureau, tu nous disais, ben non, déjà en partant. C'est pas, je réitère ce nom. C'est ça, fait qu'il y a déjà le truc Long Dark, c'est un jeu de survie. Comment ça peut être dans un contexte de... Il y a de la marche. Donc, s'il y a de la marche, il va y avoir un gamer à un moment donné qui va aller mettre Walking Simulator comme tag. Oui, des fois, c'est et par. Là, vous êtes pris avec cette. Oui, des fois, c'est par dégoût. Hein, c'est... Alors, comment vous fait la différence entre un tag qui fait qu'il pourrait avoir fantôme, là. Je veux dire, y a-tu ghost? Des fois, il y a mystère. C'est mystère, ghost. Fait qu'à chaque fois qu'il y a un ghost, à chaque fois que je marche, Long Dark, il me semble que ça va à l'encontre. On a 2298 pour la survie, 420 par Walking Simulator. Les 420, encore une fois, c'est toute la question de la recherche. Je suis en train de lire Kirkpatrick sur l'avènement de la culture vidéoludique en Angleterre. Et puis c'est ça, donc comment, quelque part, l'habitus, le gaming habitus vient de cette relation de reliable, être la version française de... Fiable. D'avoir confiance à, donc un critique, une bonne critique de films, de musique, autre, il y a une confiance entre ouais, la personne qui sait quelque chose. Là, on a un tag. Oui, mais ça ne veut pas dire que parce que c'est un joueur qui a parlé de sa propre expérience, non, on attend qu'on sait que ce n'est pas valide. Parce que bon, c'est sûr que votre The Long Dark, vous avez joué l'exercice aujourd'hui pour nous. Mais pourquoi ce tag-là apparaît? T'sais? C'est ça qu'on se pose la question. Il y a une réflexion sur comment ça arrive, je ne sais pas. Non, mais ça vient sans doute des effets d'expérience. Mais non, mais ça peut être aussi, comme on a déjà dit, qui est... pas un tag qui est générique dans le sens que ça peut être juste il y a de la marche, puis il y a de la marche, puis ça me tente pas de marcher dans un jeu, fait que j'y donne cette étiquette-là. Puis je pense que beaucoup de... Parce que les tags, tu sais, qu'est-ce qu'on voit, c'est qu'il y a des thèmes, il y a des genres, puis il y a des expériences. C'est comme on voit Exploration, par exemple, il va y avoir Mystery, tu sais, il va y avoir plein de trucs. C'est post-apocalyptique, il y a protagoniste féminin ici. Alors, Kickstarter, tu sais. Alors là, tu sais, c'est vraiment varié. Alors, je pense pas qu'il faut voir tag et puis les équivaloir automatiquement avec des étiquettes génériques, parce que je pense que... Puis ça peut être aussi juste un marqueur que, tu sais, le joueur... Ouais, c'est ça. Parce que regarde, le genre, il est en haut, hein. Donc, on sépare genre et tag. Oui, oh, je sais, c'est ça. Mais ça, c'est le genre-là, c'est les concepteurs eux-mêmes qui ont imposé ces étiquettes-là. Ça, c'est les votes des joueurs. Mais les concepteurs ont un vote là-dedans aussi. Fait que, c'est intéressant, dans le tag là-dedans, moi je trouve qu'il y a lieu de les penser comme des effets génériques aussi dans certains cas. C'est un signe qu'il y a eu un effet. Mm-hmm. Là, c'est ça. Puis moi, c'est ça qui m'intéresse. Puis là, on peut même le quantifier à ce moment-là. T'sais. On n'a pas juste un joueur. On est capable de voir qu'il n'y a pas juste un joueur qui a marqué Walking Simulator. On a comme 420. Ouais.
Puis tu sais, ça reste que quand même que le jeu d'aventure est pas très populaire. Ben, il devient de plus en plus populaire, mais tu sais, quand même, on s'entend que de 2000 à aujourd'hui, c'est les jeux d'action puis les RPG qui ont quand même dominé. Alors, la marche en tant que telle, comme moyen de déplacement, c'est quand même pas quelque chose qui est si habituel. Pour le joueur qui est peut-être pas si connaisseur des jeux vidéo, ben, peut-être que c'est plus facile de comparer ça ben, ou juste de le relever automatiquement quand il y a de la marche, parce que finalement, c'est pas... Je veux dire, j'ai un personnage joueur, un héros, je suis supposé courir ou je suis supposé me déplacer rapidement, je sais pas. Je le montre d'une mauvaise foi absolue, et donc pour poursuivre et signer, mais le plaisir, quand les jeux 3D sont devenus vraiment quelque chose de très répandu, disons des années 90 et après, un des plaisirs de jouer à Unreal, même si c'est un first-person shooter, évidemment que tu as un plaisir de killer à tuer tout ce qui bouge, mais tu avais un plaisir à déambuler dans l'espace pendant des heures et des heures. Donc, est-ce qu'on avait déjà un effet générique de Simon Marcheur qui était un effet générique de first-person shooter en 3D? Ah oh, oui, oui. Ça fait chiant en tant que non, mais ça, marche. Mais ça marche, mais tu sais, à ce moment-là, si on pouvait parler d'un effet générique de Walking Sim, c'est problématique parce que l'étiquette n'existait pas. C'est ce que c'est. Sauf que je pense qu'en termes d'expérience pragmatique, oui, on avait des trucs qui se rapprochaient du Walking Sim. C'est juste que là, on a un genre qui a réussi à permettre ça, encourager ce type de comportement-là qu'on pouvait avoir dans d'autres types de jeux. Et puis l'a étiqueté. À la base, ça vient de joueurs qui ne sont pas contents de Daisy. Ouais. C'est pas de ces... Daisy, notamment. Mode, quand il était mode d'Arma. Vous parlez des Rester? Non, Daisy. De Daisy, OK. Ouais, Daisy, c'était un mode d'Arma. Puis, c'est ça. Ben, c'était la joke Running Simulator, Marathon Simulator, Walking Simulator. Parce que finalement, tu arrives sur un grand terrain. Et puis là, tu cherches les joueurs, tu cherches les zombies, puis il n'y a personne. Là, tout d'un coup, ça fait c'est ça. Mais comme l'effet générique est né. Oui, c'est ça. Voilà. Né, mais l'effet générique est commencé à devenir ressenti de plus en plus pour peut-être plein de raisons. Il s'est manifesté discursivement. Donc, oui, c'est ça. Puis après ça, ça se récupère. Le genre de consensus culturel est discursif. Donc, il est manifesté discursivement à partir de ce moment-là. Alors qu'à l'époque du first-person shooter, ce qu'on manifestait discursivement, c'est « Oh mon Dieu, j'ai tué des créatures pendant des heures et des heures. » Puis c'était ça le plaisir qui était discursif. Discuter. C'est intéressant que Day Rester, ça vient aussi de Dan Pinchbeck qui a travaillé sur les FPS et tout ça. Puis là, donc lui, il vient renverser complètement un régime d'expérience axé sur le tir puis l'élimination. Puis là, il purait ça au maximum. Puis lui-même disait qu'il était profondément inspiré de System Shock, justement, que j'ai pas joué. Donc là, toi, tu as vu le lien. Mais ça serait peut-être intéressant pour nous d'aller revoir System Shock. On parle d'une vingtaine d'années, mais je suis convaincu qu'ils ont pas inventé ça, je suis pas mal sûr. Popularisé peut-être. Dans les années 90, le plaisir de naviguer l'espace venait du fait qu'on avait finalement un espace. C'était notre action majeure technologique. Exactement. Mm-hmm. C'est ça, c'était pas nécessairement le plaisir de naviguer un espace en soi, c'était le plaisir de finalement pouvoir naviguer un espace. Mm-hmm. C'était plaisant. Mais il y a le côté du contenu aussi, dans le sens où Unreal, le premier Unreal, c'était le plaisir de voir la 3D dans toute sa splendeur, mais c'était aussi le plaisir de... Ça s'appelle Unreal pour une raison, c'est de visiter un univers alien très particulier. Donc, c'est le plaisir de découvrir un monde. C'est sûr. De contempler ce monde-là, soit à un niveau purement technologique, donc la fraction technologique, mais aussi à un niveau thématique. Qu'est-ce qui peuple ce monde-là? C'est quoi les textures? On pourrait rajouter Myst aussi dans l'eau, là, certainement. Là, mais Myst, tu vois, t'as le case par case. Oui, non, ça c'est sûr. Mais il y a l'aspect du monde, l'aspect de la 3D, l'aspect de la contemplation. Mais là, juste l'expérience. Mario 64 a des effets génériques de Walking Simulator parce que le fait de pouvoir regarder autour de moi, j'ai marché plus longtemps autour et dans le palais, mais il y a aussi des tableaux. Oui, il faut réfléchir aussi en termes d'expérience. Je veux dire, l'expérience de Myst, c'est l'expérience justement de la sérénité. Alors que dans d'autres mondes, cette sérénité-là n'est pas aussi facilement accessible. Dans Doom. C'est pas la sérénité. Sereinement, la musique dit le contraire, les méchants disent le contraire, ton gun dit le contraire. Exact, c'est ça. Il y a des codes quand même. T'sais, c'est ça, je pense. Là. Mais j'ai trouvé ça illuminant d'avoir votre présentation sur les effets génériques. Parce que j'ai l'impression que quand tu joues à Kona et tu arrives dans la séquence des fantômes qui rejouent une scène, oh, là, t'es pas sur le même mode. Là, t'es comme, il va peut-être m'arriver quelque chose. Là, je commence à être stressé. Je vais peut-être mourir. Je vais peut-être. Puis là, finalement, non, tout ça, ça se dissipe. Donc, effectivement, il y a quelque chose qui se produit puis qui reconnecte cette scène-là que je suis en train de vivre à autre chose que le Walking Simulator que j'avais avant. Puis, moi, je sais pas, vous parlez d'amorce avec Dominique, mais l'idée de catapulte, il y aurait quelque chose à faire, je sais pas trop, parce que dans Kona, moi, j'ai rapidement compris que la dimension survie n'était pas si
À part le moment aventure, j'ai pas le manteau, donc peu importe ce que je vais faire, je peux pas rentrer dans le... J'arrive en skidoo, ça fait déjà 20 minutes que je suis en skidoo. Mais là, il me dit, attention, ici, il fait plus froid que d'habitude. Si t'as pas le manteau, tu risques bleh, de mourir parce qu'on veut que tu ailles rencontrer aux airs, qu'il tire dessus, qu'il fasse des affaires. Mais moi, quand j'ai compris rapidement que là, toutes ces jauges, ces trois jauges-là, tu vois flou, mais ça change absolument rien. Ouais. Tu rentres dans une maison, tu pars un feu, puis t'sais, moi, je suis dans le Walking Simulator. Ils n'ont pas de densité, finalement, ouais, en termes de jeu d'aventure ou de jeu de survie. Tu vois, moi, j'ai commencé le jeu, puis là, tu crashes avec ton pick-up, puis là, tu sors de ton pick-up, puis tu as un char, tu t'en vas chercher le char, là, tu tapes après la manette, tu cherches à comprendre le système d'inventaire, tu gosses un peu, tu vois pas le hotspot à côté du coffre à gants, tu ramasses pas l'item, le char, tu meurs, parce que tu es mort de froid. Ouais. Fait que là, moi, ça m'a fait, OK, faut que je sois attentif, faut que je sois sérieux, je suis toujours en danger dans ce jeu-là. Fait que là, je sors des maisons, puis là, je surveille ma barre de chaleur, puis là, je fais attention à ça. Si tu joues, allume des feux. J'ai même mis les portes, moi, des maisons. Moi aussi, tu vois, mais j'ai joué au système. Mais comment tu comprends que là, le système, moi, j'avais. C'est pour ça que je parlais d'amorce ou de catapulte. Je me suis catapulté dans le Walking Simulator, moi. Et puisque j'avais pas tous ces trucs-là, je me suis posé la question, je suis en skido, merde, je vais geler. Finalement, le système te dit, ben non, c'est le plaisir de te laisser promener. Fait que t'as pas ce danger-là. Alors moi, je me catapulte dans mon expérience de Walking Simulator. Mm-hmm. Là, franchement, mon skido, ah, ben je vais rentrer dans la forêt. Ben, je vais aller vouloir explorer juste pour voir. Il y a un ruisseau, OK, le ruisseau ne me permet pas de passer, c'est normal, je suis en skidoo. Donc là, je vais continuer. Hop, je trouve quelque chose que j'ai pas besoin de voir, mais que j'ai vu, qui est encore une fois un peu Walking Simulator parce que je n'aurais pu pas passer de là. Oui, et pourtant, il y a le jeu d'aventure, c'est-à-dire que, Francis disait, moi, il avait pas fait le skidoo. Ben, moi, j'ai compris que là, OK, il y a le puzzle, mon skidoo est prêt. La seule affaire qui me manque, c'est le gaz. OK, il est où le gaz? J'ai manqué quelque chose, je suis retourné, puis là, Rosaire, dans le garage de Rosaire, j'ai trouvé la tank à gaz qui m'a permis de retourner, me mettre du gaz, puis partir. Mm-hmm. Mais tu sais, tout ce que tu me décris là, ça fait pas très Walking Sim. Non, c'est tout non, mais quand je dis, oui, mais c'est ça, j'ai juste de voir la... Je comprends qu'on me ramène, mais il y a de l'amorce, puis il y a ce que je peux Moi, je pense que c'est un peu ce que tu dis dans ton article, Dominique, mais en fonction de ton bagage générique, ces amorces-là, tu les prends d'assaut avec une certaine densité, une certaine ardeur. C'est exactement ce que je m'en allais dire, parce que moi, tout ce que tu décris comme étant comme « Ah, mais là, je vais juste faire ça, puis je vais me promener dans l'espace », pour moi, c'est tous des moments stressants. Puis j'imagine que ça vient du fait que j'ai jamais joué à des jeux d'horreur de toute ma vie parce que ça me stresse trop, notre niveau de peur n'est pas exactement à la même place. C'est fou, mais je dis, mais encore une fois, il y a peut-être quelque chose dans ce... Moi, je me suis recatapulté dans le Walking Sim. Dans le Walking Sim, parce que bon, là, tu te rends compte que oui, bon, les loups, moi, par exemple, les loups, tu tombes sur un loup, tu pars, il n'y a pas de danger, ça ne change rien, parce que j'ai jamais eu... Tu as posé un jugement, en fait, tu as fait une détermination générique, tu as dit, OK, ça, c'est un Walking Sim, finalement, puis ça ne changera rien que je fasse. Oui, je me suis relancé à chaque fois. Ou peut-être, attends, mais je te soumets quelque chose, peut-être que tu t'es dit... OK, tu t'es pas dit ça c'est un Walking Sim, peut-être que tu t'es dit ça c'est un jeu d'aventure graphique comme dans le temps où est-ce qu'il n'y a pas de réelles conséquences sur tout ce que je fais. Puis quand on me dit vite sur toi par la porte, ben, je peux cliquer puis prendre mon temps puis ça ne change pas rien. Exactement. Puis le jeu t'a jamais renvoyé le contraire, donc tu as suivi cette... Les années 90, on aurait peut-être dit aux aventures, avant, là on est dans un contexte où le Walking Simulator prend dessus sur bien des affaires comme table, comme vision générique. Et puis, tu vois, moi, puisqu'on est dans l'air du temps, ben, je vais dire, OK, j'ai fait Kona, oui, il y a le jeu d'aventure classique où j'ai besoin d'avoir les items. Sinon, ben, je me relance dans mon plaisir de chant en skidoo, je me promène, je vais dans la neige. Attends, Le skidoo simulator. C'est ça. Ah, non, ouais, vraiment, tu fais sur le skidoo, je pense qu'il y a quelque chose à faire. Il y a quelque chose pour le labo. Ben oui, merci pour Trucker Simulator, tu sais, les fameux trucks maintenant. Ouais, je suis en joue à ça, moi. Euro Truck Simulator. Ah oui, parce que je fais ma sabbatique en Europe, fait que je m'habitue à conduire en Europe. Fait que, ouais, c'est mon garage, là, puis j'ai deux trocs. C'est dingue, c'est quand même. On se catapulte dans. Ce que j'aime bien de votre travail, c'est que tout à coup, là, on a des éléments de réflexion. On n'est pas juste dans le. On n'en avait pas avant, c'est ça que tu dis? Ben non, mais avant. Quand je dis, ben moi, je viens de lire ton texte, fait que c'est sûr, mais bon, il y a Direster, les gens trouvent ça, tu sais, toute la négation, comme tu montres aussi, le bashing sur le Walking Simulator. Ben là, il y a quand même des éléments qui font qu'on peut comprendre qu'il y a des gens qui trippent là-dessus. Ouais. Tu sais, il y a ce rapport de sérénité, de découvrir des trucs. Et puis là, les rapports de limite, parce que bon, dans la référence au début, il y avait Firewatch, il y avait Gone Home, puis il y avait Vanishing of Ethan Carter. Firewatch, bon, je pense que c'était à la limite de votre. Il est comme moins aventure que Conan. Parce que peut-être que je défends mes affaires, mais Candice, mon étudiante qui travaille sur les paysages, elle a travaillé sur Long Dark, puis je veux dire, je pense qu'elle s'est construit des tentes ou des trucs pour le paysage. Pour le paysage. Fait qu'elle
être en sécurité, puis être en contemplation du paysage. Ouais, mais ouais. Là, être en maîtrise sur les notions de paysage, ça fait qu'elle peut-être pas jouer le jeu comme... Elle n'a pas la même attitude. Ah, c'est catapulté. Encore une fois, on vient dans ce... Dans ce façon, dans The Long Dark, ça m'est arrivé des moments où j'avais assez de nourriture, assez de tout, puis je suis sur le top d'une montagne, mais je vais prendre le temps de dépousser mes ressources sur le top de la montagne, puis je vais regarder le paysage, puis that's it. Quand j'en aurai plus assez, ben, je vais repartir sur la route. Puis, mais c'est des moments précis. Ouais, c'est ça, c'est pas que ça. C'est sûr que dans tout jeu, tu as le temps de contempler quand même. Là. Mais c'est sûr que. Puis, tu sais, comme moi, dans mon cas, j'ai eu l'expérience du joueur qui rushait. Là. Puis j'étais tellement, tu sais, comme j'ai mangé de la viande crue sans faire exprès, j'étais malade. Je me réveillais tout le temps au début de la nuit quand tu vois rien, finalement. Et puis là, ben, je peux pas aller me recoucher. Il faut que j'aille trouver de la nourriture, mais je vois rien. Alors, tu sais, tout a mal allé. J'ai eu vraiment une mauvaise expérience. Mais j'adore le jeu, mais j'ai vraiment pas eu une bonne expérience. Alors, il aurait fallu que je recommence, puis que j'ai quelques, disons, je développe un peu mes compétences pour pouvoir mieux apprécier ce qu'il y a autour du jeu. La gestion du temps est assez punitive là-dedans. Ouais, c'est ça. Si tu manques ton coup, tu dors pas comme il faut, tu te réveilles la nuit, alors là, ça vient tout de rendre ça beaucoup plus compliqué. Fait que ouais, non, c'est un jeu vraiment difficile. Mais je pense que l'erreur qu'on fait en ce moment, c'est de s'arrêter à l'espèce d'idée que si on peut marcher et qu'il y a des moments contemplatifs, tout de suite, on a quelque chose comme un walking simulator, mais rendu là, je veux dire, à n'importe quel moment où notre personnage peut s'arrêter puis regarder autour puis comme contempler un univers vidéoludique, puis ça fait partie du plaisir vidéoludique de regarder l'univers dans lequel on est. Fait que rendu là, ce serait de dire, OK, dès qu'on s'arrête puis qu'on contemple l'univers, on a un effet générique de walking sim. Puis je pense que c'est là où ça devient un peu touchy de dire ça, parce que c'est comme rendu là, tous les jeux ont un peu de walking sim. Il y a 420 personnes qui ont mis walking sim pour un jeu de survie. Mais je pense qu'il y a quand même quelque chose comme Maxime disait, genre, quelque chose comme une insulte dans l'idée de mettre walking sim comme tag, tu sais. Non, mais il y en a la moitié qui l'ont mis comme insulte, puis la moitié qui pensait vraiment « Ah, OK, oui, ça ressemble, ça m'évoque ce que j'ai vécu dans un walking sim que j'apprécie. » Ça peut être ça, ça peut aussi être le fait que les joueurs peuvent mettre plusieurs tags, si je ne me trompe pas. Oui, je pense que oui. Non, ils n'ont pas à choisir. Tu joues un peu, tu vois la liste des tags, puis là, tu dis « Ah oui, ça, ça a de l'allure, ça, ça a de l'allure, ça, ça a de l'allure. » Tu cliques sur tout. J'ai ressenti ça. Le danger pour nous, c'est de faire du quantitatif avec quelque chose qui La seule chose que tu peux faire de quantitatif avec ça, c'est de dire qu'il y a tant de joueurs qui ont utilisé telle étiquette. Ouais, c'est ça. Ça ne peut pas rien dire sur l'objet. Ouais. Mais c'est pour ça que je dis, mais là, le travail, c'est bien de. On retombe d'avoir une réflexion générique sur les amorces, sur la densité, la portée, qui permettent de pouvoir dire, ben voilà, tu sais. Moi, j'ai beaucoup aimé votre liste des éléments qui constituent. Qu'est-ce que c'est finalement l'esthétique du walking sim? Je trouve ça riche parce que justement, tu sais, je me promène, je trouve ça beau, donc je tombe comme dans un walking sim. Non, pas nécessairement. Il faut que l'espace soit donné comme étant agréable à traverser, puis qu'il n'y ait pas d'enjeu, que ce ne soit pas un espace contesté. Tout ça, je trouve que c'est super pertinent, puis ça permet d'éliminer un paquet d'autres jeux qui, oui, à l'occasion, je me promène dans Elder Scrolls, puis là, je m'arrête parce que j'ai un beau paysage, fine, mais je peux quand même me faire sauter dessus par un troll, puis là, tu sais. Ouais, c'est souvent le rapport, parce que les RPG, ça, c'est des jeux dans lesquels on a du temps pour contempler souvent, mais souvent, tu sais, je pense à un jeu comme Far Cry, par exemple. Tu te fais tout le temps sauter dessus, tu ne peux pas t'arrêter presque parce que tout le temps les ennemis pas trop loin. Même Skyrim aussi, je l'ai vécu un peu comme ça. Ben, lui, tu vois, je l'ai senti plus rythmé alors que tu peux marcher des bonnes distances sans rencontrer personne. Puis je l'ai vécu un peu plus la seule. Je dirais pas, c'est du walking simulator, mais je dirais, il y a comme peut-être que. Vu qu'il y a marché pour le walking simulator, ben, tout d'un coup, les concepteurs de jeux, ils se disent, bon, peut-être qu'on peut ralentir un peu nos jeux, peut-être qu'on peut mettre des séquences de marche, même si c'est une séquence de 4 minutes toute scénarisée. Moi, j'ai pris du temps pour. C'est m'arrêter, monter sur des montagnes, prendre des photos, explorer des choses juste pour le plaisir. Breath of the Wild, j'appellerais ça un climbing simulator. Parce que tu fais juste grimper des montagnes tout le long. Mais tu sais, mettons, dans un Far Cry, quand t'as ton Candy Eye, t'arrives puis c'est super beau, ça, tu peux avoir comme une petite montée de walking sim, mais quand tu sors, il y a pas de résonance. Cet effet esthétique-là n'a pas de résonance parce que là, tu sors, puis là, il y a un lion, tu sors ton gun, puis tout ça. Juste le fait de contempler avec un AK-47, ça fait pas très walking sim. T'sais, un exemple, par exemple, il y a dans The Beginner's Guide, à un moment donné, il faut tirer avec un gun sur le décor, puis anéantir le décor. Mais d'un coup, je ne suis pas comme « Ah, je suis dans un jeu d'action, il y a un gun! » Ou dans un jeu ton vision de trocker, on est quand même dans la contemplation aussi. Ouais. Ou pas, où là, tu dis ouais, dans la lenteur. L'expérience. Ça a l'air hyper sophistiqué sur la conduite. On a 250 km à faire entre deux villes. On est dans les jeux de simulation. Dans les jeux de simulation, on est dans ce rapport de contemplation qui fait que...
d'en avoir peut-être un peu, je connais pas. Simulation quelque chose, et là votre truc c'est walking, il faut qu'on soit dans un rythme de rythme humain et non pas dans un Je connais pas le jeu là, mais ça me semblait hyper complexe. Moi quand je joue, j'ai pas beaucoup de contemplation à cause du schéma de contrôle là, tu sais, que c'est-à-dire que tu tournes le volant, si tu veux contempler, il faut que tu tournes la tête, si tu tournes la tête, il faut que tu utilises la souris en tenant un piton. Fait que là si tu lâches un peu le piton rapidement, ton volant tourne aussi, puis là tu vois plus où est-ce que tu vas. Tu peux créer des catastrophes. Tu peux difficilement te mettre à contempler, mais c'est peut-être juste à cause de l'interface de contrôle que moi j'ai, même tu sais, j'ai un volant jamais un volant puis une pédale, puis une fausse cabine avec des écrans et un casque en réalité. J'avais un vrai truc. Je vais te poser une question, Dominique, parce que ça, je pense beaucoup à l'intervention de Carl par rapport au fait qu'il y aurait des traces de Walking Sim dans bien d'autres jeux. Est-ce que la combinaison d'effets génériques pourrait pas être aussi un élément important pour avoir une expérience de genre ou un effet de genre? C'est-à-dire que si, mettons, j'ai juste un truc de contemplation dans un jeu sans combat et tout ça, est-ce que ça peut être suffisant pour dire que je suis dans tel genre ou pas? Ou sinon, la question de combiner des effets serait aussi importante. Ça prend tel effet pour qu'il commence à avoir un effet de Walking Sim, par exemple. Mais c'est la théorie syntaxique de Altman que tu apprends, non? C'est-à-dire qu'il y a une syntaxe d'effets génériques qui crée un genre? Ou... Bien, pour Altman, il y a des genres qui résultent d'un aspect sémantique, puis il y a des genres qui sont définis par la syntaxe. Ouais. C'est comme, bon. Fait que là, il donne des exemples et tout ça. Moi, dans ma tête, ce que je disais, c'est que quand on dit qu'un jeu est de tel genre, c'est qu'on dit que ces amorces qui ont mené lieu ou qui ont donné lieu à tel effet générique ont été prédominants, ont été plus importants que les autres. Tu sais, quand tu dis c'est un walking sim, tu dis les bouts là-dedans qui ressemblent à des walking sims ou qui m'ont évoqué l'effet d'un walking sim sont plus forts que les bouts qui ont créé des effets d'horreur, mettons, que je regarde Kona, qui est décrit comme un horror. Kona, on a Survival Horror, là. On a ici Horror 74, Survival Horror 58, Narration 60, c'est ça, c'est intéressant. Narration, ouais, c'est... Ouais, ouais. Fait que, probablement qu'ils veulent dire voice over narration. Oui, c'est ça. Fait donc la voix narrative. Fait que, Detective, Survival, bon, ben, tous ces gens-là, ils disent, moi, je trouve que c'est plus un jeu d'aventure qu'un jeu de Walking Sim, qu'un jeu de whatever. Mais ça, mettons, tu sais. Mais Altman a rajouté la dimension pragmatique plus tard. Il révèle la syntaxe, la sémantique, et il a rajouté la pragmatique, justement, et c'est un peu le travail de Dominique, de dire, OK, pour avoir ça, il faut qu'il y ait une résonance réelle. Sinon. Mais de dire, mettons, dans un survival horror, ben ça prend des éléments d'horreur, mettons, des zombies ou whatever, qui vont faire des effets horrifiques, mais là, ça me prend aussi mon inventaire limité, l'évitement. Donc, c'est souvent deux effets génériques qui me permettent de dire que c'est un survival. Ben, tu peux mettre toutes les conditions que tu veux pour argumenter que ça prend tous ces effets-là en présence pour qu'il y ait un genre qui s'appelle le survival horror puis que ce soit ça le vrai genre du survival horror. Tu peux dire ça si tu veux. Mais ça, c'est juste la catégorie discursive que nous, on appelle survival horror, puis tu vas faire la police en disant « Vous, vous dites survival horror pour référer à des jeux dans lesquels il y a juste trois des six éléments, donc ça marche pas. » Tu sais, tu peux faire ça si tu veux, mais... C'est vrai que... Ouais, mais la moi, mon approche, c'est la théorie du prototype en psychologie, donc dire qu'il y a un noyau prototypique du Walking Simulator dans lequel il y a huit éléments, puis moins t'en as, ben plus t'as un jeu qui est atypique des Walking Simulators, mais qui n'est pas nécessairement plus... qui n'est pas nécessairement pas un walking simulator. En même temps, faire vous police, je ne sais pas comment vous percevez votre travail, mais moi, j'ai surtout pour un phénomène comme le genre est quand même basé sur une dynamique d'innovation à travers le temps, donc de dire, nous, on va être les gardiens de la version la plus puriste du genre, je trouve ça... Vraiment une bonne idée, hein, c'est ça que tu voulais dire. Moi, honnêtement, vous allez vous attirer juste les flammes de certains gens qui sont moins puristes que vous, puis vous allez vous présenter comme les gardiens du savoir universitaire, puis c'est un petit peu... Mais je pense pas qu'ils vont faire ça. Non. C'est loin d'être... Je vais finir rapidement, mais tu mentionnais, Maxime, que ce qui est intéressant, finalement, c'est de voir comment certains de ces éléments-là vont s'incarner dans de nouveaux jeux et influencer de nouveaux jeux, et donc il y a une hybridation exponentielle. Et récemment, un symptôme de ça, c'est le trailer de Death Stranding de Kojima, qui a déjà été décrit comme « Oh mon Dieu, il y a comme un feeling walking simulator dans le dernier Kojima! » Et je ne sais pas, à un moment donné, tu as un gun, à un moment donné, tu as des effets de survie. Est-ce que vraiment Kojima, sous l'influence de la popularité du genre, c'est de dire « Ok, je vais juste vous faire déambuler dans le wasteland. » Puis là, c'est pas la première personne. C'est un delivery simulation parce que tu livres les affaires. Mais souvenez-vous, à l'IDOB, on a fait le truc pour les jeux vidéo d'horreur, la pyramide des jeux vidéo d'épouvante. Qui fait que, en fonction aussi de moi, par exemple, je joue Kona, ayant joué beaucoup de jeux d'horreur, j'ai pas peur, les loups me. Fait que je suis pas dans. C'est ma vision subjective qui fait que dans la pyramide, je suis un peu plus bas.
bien que peut-être qu'il pourrait être plus haut. Mm-hmm. Fait que tous ces tags-là qui fait qu'à un moment donné, il y a peut-être une essence que tu me présentes, Maxime, toi, dans ton article, c'est l'essence que voilà, et la réception et la pas production. Trop, non, pour pas avoir... trop l'essence, là. Non, mais pour avoir un Waxim, je considère que j'ai mes 7 éléments. Ouais. Non, mais ça, c'est pas une catégorie. Comme je dis dans mon article, justement, c'est pas une catégorie exclusive. Oui, mais c'est je parle de la théorie des aires de famille. En fonction de, tu dis que s'il y a les 7 éléments, on est quand même dans Waxim. Oui, ça, il faudrait voir dans les effets de Dominique, est-ce que cet effet-là a des résonances, est-ce qu'il y a une portée, est-ce que... Et après ça, comment le joueur, lui, va vivre tout ça, ce qui fait que tous vos joueurs qui sont en tabarnouche quand ils jouent Walking Simulator, ils veulent pas avoir cet effet-là, ils le ressentent quand même, ils sont en tabarnouche. Ouais. Et puis, tu sais, parce que ici, là, ça, c'est cette caractéristique-là, dans le fond, ce que je veux dire avec ça, c'est qu'ils appartiennent pas au Walking Simulator, ils sont juste dans le Walking Simulator, mais ils sont ailleurs aussi. Il n'y a rien qui appartient au Walking Simulator là-dedans. Donc, c'est pas essentialiste pour cette raison-là. Donc, c'est pas, je peux pas dire, ah, ça, c'est la nature des Walking Simulator. Non, c'est juste une récurrence. Puis, on peut dire que, bon, ouais, s'il manque une ou deux caractéristiques, ben, ça ressemble peut-être un petit peu moins au Walking Simulator, mais ça m'empêche pas de. Il va avoir une caractéristique. Ben oui, exactement. Ça, tout à fait. Parce que, comme on disait, Hugo, ben, justement, au dernier épisode qu'on a enregistré, finalement, on se disait, ben, tu sais, l'œuvre innovatrice, OK, c'est des rosters, c'est facile, mais après, l'œuvre paradigmatique, on ne sait pas, puis on n'a pas la distance pour le reconnaître. Puis de plus que ça va, plus que finalement, les Walking Sims, bien, il y a plus de mécaniques qui s'ajoutent, elles sont plus complexes, les mondes, ils s'ouvrent, ils sont en train déjà de perdre un peu de de-rester en eux. Oui, oui. Alors là, évidemment, mais c'est comme, c'est juste... C'est pas bien ou mal ou... Non, non, mais c'est juste une appropriation. Les concepteurs s'approprient ce qu'ils veulent. Fait que pour Death Stranding, ben, je dis pas que les Walking Simulator, c'est tout un marché que je pourrais aller chercher. C'est pas vraiment un bon marché, finalement. C'est pas le meilleur des marchés. C'est pas vraiment un bon marché, mais... Puis tu sais, mais ça fait juste exister. Puis puisque les Walking Simulator existent, ben on peut juste dire que c'est une possibilité. Maintenant, ça peut influencer des concepteurs parce que c'est un genre qui s'est cristallisé. Ouais, puis ça existe, c'est une influence parmi tant d'autres. Ça existe surtout maintenant dans le bagage de compétences des joueurs. Puis c'est ça qui fait, je pense, que ça va se ressentir dans certains jeux où les designers n'auront pas nécessairement voulu en mettre là. T'sais. C'est comme un peu un dialogue là, avec c'est ça, la réception, la production, là, c'est entre les deux. T'sais. Voilà.